À l'intérieur de la boucle du Niger, dans un pays sans grand relief, vivent 1 700 000 Mossi. Cultivateurs, éleveurs quelquefois, ils habitent dans des villages dispersés dans cette énorme savane, et sur les routes qui conduisent au village, qui conduisent au marché, on rencontre des caravanes poussant les bourricots ou marchant à bicyclette. Le pays Mossi a été fondé au XIe siècle par un chef venu du sud, le Naba Oubri. Et depuis le XIe siècle, aucun conquérant, peul ou musulman, n'a entamé l'intégrité du territoire Mossi. Le chef des Mossi, c'est leur roi soleil, le Moro Naba, dont le palais se dresse à Ouagadougou, la capitale actuelle de la Haute-Volta. Mais un jour de novembre 1957, le Moro Naba Saga, empereur des Mossi depuis 1942, à 1h30 de l'après-midi, mourait. Personne n'a le droit de dire à Ouagadougou que l'empereur est mort. Le pays est gâté, c'est tout ce que l'on dit. Et le palais est vide. Vide, le trône venu du Ghana. Vide, la natte où siège le roi soleil. Vide, la cour des pages. Vide, le lit de la terrasse. Vide, la selle du cheval royal. À l'ombre du fromager royal, la tombe circulaire du Moro Naba Saga a recueilli la dépouille du roi soleil, dont la selle ne reposera jamais plus sur l'estrade du soleil auprès du Zango, la case des palabres. Mais on dit que le corps du chef mort doit faire d'abord le tour de tout le pays Mossi. Un roi soleil est mort, et pendant 12 jours vont avoir lieu les grandes funérailles Mossi. Chaque matin, dès le lever du soleil, les dignitaires, suivant un protocole particulièrement fixe et établi, se rassemblent devant la porte ouest du palais des Moro Naba. Les tambours sonnent pour saluer la sortie de la fille aînée de l'empereur mort. La fille aînée qui, pendant ses 12 jours de funérailles, va remplacer le chef du pays Mossi. Elle porte les vêtements, le bonnet et la canne de l'empereur mort. C'est devant elle que les ministres, le Larale, le Widi, le Kamsango, font le Napusum, le salut rituel à l'empereur. Après les ministres, les parents viennent aussi saluer la fille aînée. Dès la fin du Napusum, la fille aînée rentre dans le quartier des femmes. Les tambours s'arrêtent de jouer et les dignitaires, les parents, vont recevoir les condoléances que l'on apporte à Ouagadougou. Aujourd'hui, ce sont les chefs de Côte d'Ivoire présentés par le premier ministre de Haute-Volta, Wezin Koulibaly. Les hommes de la famille écoutent ses condoléances. Et au premier rang, il y a le fils aîné, qui sera l'un des prétendants. Le Widi, maintenant, ouvre les télégrammes qui viennent de toutes les parties du monde, et l'on décide en commun, dehors, car quand il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de salle de gouvernement, l'on décide des termes de remerciement. Mais déjà, devant la porte ouest,
vont commencer les sacrifices. C'est le neveu de l'empereur mort qui va chercher des morceaux de bois qui symbolisent les armes du défunt. Il les pose sur le sol pour qu'elles reçoivent le sang du sacrifice. On gratte la terre car la poussière peut servir à étancher le sang. C'est le chef de la jeunesse qui dirige la cérémonie. Le neveu tient un fusil de bois à l'envers, symbole de la puissance de l'empereur disparu, et les sacrifices commencent. C'est le chef de tel village qui t'apporte ce poulet, Moronaba. Et le poulet doit tomber sur le dos pour montrer que l'empereur mort a bien accepté cette dernière offrande. Après le sacrifice, des coqs, des poulets, des béliers, des taureaux, ceux qui n'ont pu apporter un animal amènent simplement de l'argent que les sacrificateurs se partagent. Les chasseurs viennent de tous les petits villages de la brousse avec les vieux fusils à pierre des guerres d'autrefois et leurs fusillades saluent chaque jour le départ de leur chef. Pendant 12 jours, de tout le pays Mossi, arriveront à bicyclette ou à pied les porteurs d'offrandes, de béliers, de poulets, de dolo, de bière de mille. Les musiciens viendront aussi apporter leur dernier salut à leur empereur. Devant la porte ouest, les hommes défrichent, car c'est là que se tiendront les grandes cérémonies de lever des funérailles. L'avant-dernier jour, à midi, les veuves et les sœurs de l'empereur défunt préparent des galettes de mille. Leur nombre doit être symboliquement celui de l'âge même du Moronaba Saga. Les galettes sont déposées sur une natte à côté de l'estrade du soleil. C'est là que le 11e jour, le maître de la terre, qui est aussi le maître des funérailles, le Tengsoba de Passani, sacrifie les coqs et les taureaux. Matin, les dignitaires saluent pour la dernière fois la fille aînée du Moronaba Saga. Les archers, les chasseurs, les cavaliers du pays Mossi sont maintenant tous rassemblés à Ouagadougou. Le Baloum, chef du protocole, boit la bière de mille traditionnelle. Cependant, à la cathédrale de Ouagadougou, les missionnaires disent une messe pour le repos de l'empereur défunt. Le Moronaba n'est ni musulman ni chrétien. Il n'a jamais voulu se convertir, quoique beaucoup de Mossi soient catholiques. Dès la sortie de la messe, alors que les enfants jouent, tout le monde se précipite vers le palais du roi. Car aujourd'hui, à côté de la tombe fraîche, le palais est ouvert à tout le peuple Mossi. Chacun peut venir y deviser, y jouer les airs rituels des funérailles.
En signe de deuil, on rase les épouses du défunt, et leurs cheveux qui tombent symbolisent la rupture définitive des liens de leur mariage. Et pendant toute la journée, tambours d'eau, tambours ordinaires, castagnettes de fer résonneront. C'est fête de funérailles, mais c'est aussi fête de joie. À midi, les gens de Koubri, liés mystiquement à l'empereur défunt, viennent faire un sacrifice devant le trou de la muraille par lequel est sorti le corps de l'empereur mort pour faire le tour de ses états. Un coq a été égorgé. Et trois fois, autour du palais du roi, le masque des gens de Koubri, les insignes des maîtres de la terre et une effigie de Kaïl-Cédra qui représente à la fois l'empereur mort et le nouveau-né, le nouvel empereur que l'on va élire, font le tour dans le sens inverse du soleil. Après le troisième tour, devant l'estrade du soleil, il s'arrête. Cette petite statuette qui danse dans les mains d'un chef de la terre de Koubri, à côté du grand masque, est fixée sans doute l'âme de l'empereur défunt. Cette âme qui va partir vers un sanctuaire de la brousse que personne ne connaît. La danse des gens de Koubri est finie, mais avant de partir, ils ont déposé sur l'estrade du soleil un panier plein des gésiers des poulets que l'on a sacrifiés. Et c'est la grande fête de la levée des funérailles. Tous les cavaliers de Ouagadougou, ce dimanche après-midi, vont vers le palais. Ils ont revêtu les costumes de guerre, des costumes couverts de charmes magiques qui protégeaient leurs ancêtres, les rendant invulnérables aux flèches et aux fusils. Dans la cour du palais, dans un abri de paille, il y a le Moronaba qui est mort, ou plutôt son substitut. Tous les dignitaires sont là, en grand costume. C'est le chef de la jeunesse qui est allé dans le quartier des femmes chercher la fille aînée. La fille aînée porte toujours le costume de son père, mais elle a de plus une ceinture de guerre et un litam autour du visage. Alors sort l'empereur mort. C'est son fils aîné qui a revêtu le grand costume de guerre des empereurs du Mossi. Il tient à la main deux lances liées et monte sur le cheval de guerre. Les tambours jouent les airs de la guerre. Pour quelques instants, pour quelques derniers instants, c'est l'empereur des Mossi à la tête de son armée. Cavaliers, archers, fusillés, simples pages, hommes et femmes du peuple, tout le monde veut se mettre derrière l'empereur pour le défendre. Et trois fois, l'on fait le tour de la concession. Le neveu de l'empereur mort tient la laisse de son cheval, et la fille aînée tient la queue du cheval. C'est l'armée Mossi sur le sentier de la guerre. À un tour de distance, suivent les gens du Yatenga. La chefferie du Yatenga et la chefferie de Ouagadougou sont rivales, mais le danger les rapproche. À chaque tour, l'armée est plus nombreuse. Le peuple Mossi veut montrer à son empereur qu'il est prêt à le défendre. À la fin du troisième tour, la chevauchée s'arrête. Une femme dit,
Où est notre empereur? L'empereur s'est arrêté un instant, puis, conduit par ses dignitaires, salué par les griots, il part vers la brousse. Cette mort symbolique, c'est là la véritable mort de l'empereur des Mossis. Et une femme crie, notre empereur est mort, il ne reviendra plus pour nous conduire. Alors, les meilleurs cavaliers du pays Mossi font maintenant au grand galop trois fois le tour du palais. C'est eux qui accompagnent une dernière fois leur chef qui est décédé. Maintenant, on peut dire dans tout le pays Mossi la vérité, l'empereur est mort. Jusqu'ici, je vous disais simplement, le pays est gâté. Suivant le grand rituel, cette dernière chevauchée doit avoir lieu au dernier rayon du soleil, car l'âme du roi soleil doit s'en aller au moment même où celui-ci disparaît à l'horizon. Les grandes funérailles sont levées. Toute la nuit, les warba, les danseurs mossis vêtus de filets, dansent au son des tambours, des trompes, et des castagnettes de fer. Pourtant, c'est dans cette même nuit qu'à Samambili, à l'ouest du palais, les dignitaires se sont réunis, gardés par leurs soldats, les cavaliers, les fusiliers, les archers, pour élire le nouveau Moronaba. Ils guettent le lever du soleil, car le nouveau roi soleil doit sortir lui aussi, exactement au moment où le soleil se lève. Le voici. C'est le fils aîné du Moronaba Saga qui a été choisi. Il est vêtu d'un costume de coton, qui a été filé, tissé, cousu en une seule nuit par 22 jeunes filles vierges. Il porte sous ses bras des besaces, les thibauts, les insignes sacrés du royaume. Il monte sur un cheval sans selle. Et s'il a le malheur de laisser tomber les thibauts, la chefferie lui échappe. On le menace, mais ce n'est qu'un simulacre. Le nouveau Moronaba est vraiment chef des Mossis. Un dignitaire crie, voici notre tueur, voici notre sauveur. Le chef initié descend le cheval. Il suit le Sabo Mabila, passé sur une racine du figuier sacré, le Kankanga. Le Baloum, ministre du protocole, prend place à ses côtés. C'est la cérémonie de la soumission des dignitaires. Le premier, le Widi, vient à cheval. Il dit, les gens de Ouaga sont heureux car ils ont eu un chef. Mais ils sont comme les excréments de l'éléphant, dans lesquels il y a toujours des épines. Puis c'est le Laralé, qui dit, les gens de Ouaga, que vous pouvez nourrir, si vous écoutez nos conseils, vous ne les égarerez pas. Le Gunganaba, à la tête de ses troupes, dit, vous venez d'être intronisé, vous ressemblez à un tas d'ordures, vous recevrez des bonnes et de mauvaises choses. Le Kanaba de le fer de la jeunesse dit, nous n'avons rien à dire. Le chef reconnu rentre dans la case du Saban Mabila. Mon peuple.
protocole administratif est terminé, le rituel va pouvoir reprendre. À Samambili, vers 2 heures de l'après-midi, un cavalier est venu dire que la route de Worodoro était libre. Le Baloum sort de la case de Samambili en portant les tibbos, les insignes royaux, sous ses bras. La coutume voudrait qu'il fasse la route de Samambili à Worodoro à pied. Mais le Baloum a préféré louer une camionnette pour faire ce trajet de quelques 7 km. C'est dans la camionnette que, dans une valise d'aluminium, se trouvent les vêtements du Moronaba, car celui-ci a retrouvé son costume rituel de fil de coton. Précédé par les tibbos, monté sur un cheval avec une selle cette fois-ci, le Moronaba monte vers le nord. En effet, pendant toute cette journée, le nouveau roi soleil doit se trouver à l'opposé du soleil par rapport au centre du monde, son palais de Ouagadougou. C'est donc au nord de Ouagadougou que le Moronaba va passer les heures les plus chaudes de la journée. Les enfants des écoles, entendant passer le cortège, viennent se joindre à celui-ci. Le Worodoro Naba, le véritable maître de la terre de Ouagadougou, accueille le cortège. Les tibbos, toujours tenus par le Baloum, entrent les premiers, suivis par l'empereur seul, car c'est là le lieu de l'initiation secrète. À la porte se trouve la pierre du couronnement. Sur le fauteuil qui la recouvre, le Moronaba Kouvri, qui a désormais le droit de porter les vêtements royaux, s'assied pour recevoir le salut de ses dignitaires et une calebasse de zomkom rituel, d'eau mélangée à de la bouillie de mil. Il en donne une gorgée à chacun de ses dignitaires et fait distribuer au peuple de la bière de mil. Mais il n'y en a pas assez pour tous. Et à 4 heures de l'après-midi, l'on repart. L'on repart suivant le même rituel pour Passepanga. Le cortège traverse le nord de la ville dans le silence, car le Moronaba Kouvri, qui a déjà reçu la soumission de ses dignitaires, qui a révélé ses noms de guerre, qui a été secrètement initié par le chef de la terre, qui s'est assis sur la pierre du couronnement, qui porte les habits de la chefferie, le Moronaba Kouvri ne sera vraiment le roi soleil qu'après avoir atteint Passepanga, dont le nom veut dire l'endroit où l'on acquiert la force. Celui qui apparaît au dernier rayon du soleil, comme le veut la coutume, le Moronaba Kouvri, est bien maintenant l'empereur des Mossi. Ainsi, après une nuit de 15 jours, le pays Mossi a retrouvé son soleil, le peuple Mossi a retrouvé son chef.